Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait genre plus d'un mois et tout, mais en fait je voulais vous sortir un petit montage sur GTA V. Mais que je n'ai pas pu faire pour quelques petites raisons. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur The Witcher 3 et je m'en vais vers une quête secondaire, je crois, un dieu glouton. Je crois que c'est une quête secondaire. Je fais les petites quêtes secondaires pour level up un peu pour les quêtes principales quoi. Et franchement, le jeu là il me bouffe vraiment pas mal de ressources. Là je suis genre à 30 FPS en même temps que je rec. Je perds 10 FPS parce que je rec. Et je suis. Je vais vous montrer un peu les options graphiques que j'ai mis. Alors dans les graphismes. J'ai mis. Bien évidemment, j'ai enlevé le Nvidia Airworks parce que je n'ai pas de Nvidia. Et parce que ça bouffe énormément de FPS. Donc j'ai mis ça comme. J'ai mis nombre de personnages en moyen, qualité de l'ombrage en moyen, qualité du terrain en élevé, qualité de l'eau en élevé, densité de l'herbe en moyen, qualité des textures en élevé, portée visuelle. Du feuillage en moyen, niveau de détail en élevé, et en traitement numérique, j'ai mis 8 sur tous les flous. J'ai mis non anti crénelage, j'ai pas mis de j'ai mis non à la netteté, aucune occlusion ambiante, profondeur de champ non, aberration chromatique non, vignettage en 8 et rayon crépusculaire en non. Voilà donc. Le jeu est plutôt pas mal, même si ça se voit que c'est pas en élevé et tout ça. Ça bouffe énormément. Alors pour la config que j'ai une comme carte graphique, j'ai une 7950 de chez AMD. Et comme processeur, j'ai un i7 4790K. Donc clairement, ma carte graphique elle est un peu à l'ouest là. Donc bon. Ah, d'accord, les soldats spawn devant moi, tranquille. Ok, bon voilà, donc je vais faire la petite quête tranquillement. Je rec en 60 FPS, donc on verra si la qualité est au rendez-vous. Par contre, j'avais l'impression en regardant les vidéos, j'ai fait un petit test juste avant pour. Ah mince, c'était juste là la quête. J'ai fait un petit test avant pour savoir parce que là je rec avec OBS, mais la qualité n'a pas l'air d'être top quand même, alors je sais pas pourquoi. Alors je vais descendre ici. On va aller leur parler. Alors je parle ici. Utiliser. Ok. Alors, trouver le tout puissant de haute sens de sorceleur. Bien évidemment, bon, ça passe les touches. Là, j'ai mis la manette parce qu'en fait, avec le clavier, j'ai un peu de mal. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal. Alors, je me suis dit, je vais mettre la manette. Hein. Alors, c'est quoi ce qui appartient? Examiner. Bon, j'ai l'impression que cette quête est un peu nulle quand même. Donc, je vais suivre ça avec le sens de sorceleur. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça?
Par contre, je sais pas si le son du jeu est assez fort en fait. J'ai pas très bien réglé ça. Bon, bah on va le tuer, hein. Ouh là, ça rame. Bon, il était assez simple. Contrairement à d'autres boss. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré. En fait, j'ai voulu faire que la quête principale directe comme ça. Mais en fait j'ai galéré parce que j'avais pas le niveau requis et tout. Donc bon, j'ai médité pour reprendre de la vie. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut loot là-dedans? Pas rien loot, je parie. Si. Je prends tout, hein. Alors, il faut savoir que j'ai genre 15 heures de jeu sur The Witcher et je suis genre au début, hein, j'ai dû. Enfin, au début, vite fait quoi, mais j'ai pas vraiment beaucoup fait la quête principale donc voilà. D'accord. Enquête terminée, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme autre quête? Alors, quête secondaire. Vous voyez, là, je suis niveau 8. Je vais faire quand même une quête de niveau 7, quand même. Qui a un tout petit peu de challenge. C'est quoi cette quête? On va y aller, hein. Je m'en rappelle plus très bien. Ça me dit quelque chose quand je l'ai prise. Par contre, le cheval un peu buggé là. C'est pas top, hein. Le cheval qui essaie de venir vers vous, mais qui bug un peu. Alors, c'est où qu'il faut aller, hein? Sur l'île. Sur l'île, faut que j'aille. Faut que j'aille ici. Je me sers pas trop des voyages rapides. Bon, en fait, je vais le faire. Je vais aller là-bas. Ah, je vais attendre le temps de touche avec la manette. Au début, je me suis habitué à jouer avec le clavier, puis. Au bout d'une dizaine d'heures, je me suis dit je vais prendre la manette. Même si j'ai un problème avec la manette de PS4, ça me fait vachement mal aux doigts. Faut que je change les joysticks. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais pas prendre le bateau, ça ira plus vite. Voyage rapide. Et je vais aller sur l'île. Alors je sais plus tout c'est quoi la quête. Ça me dit un truc, mais. Ça fait pas mal de temps que j'étais là. Prendre la quête. Alors, on va devoir tout traverser encore. Je peux pas avoir mon cheval ici. Ah si. Go. J'ai toujours la tête de faucon sur. Comme on dit. Dans mon inventaire, c'est comme trophée. Peut-être que j'en ai d'autres depuis. Je sais plus trop d'autres trophées, mais je les ai pas mis. Faudrait peut-être que je la vende.
C'est pas très. Ah, en fait, je crois que. En fait, en y repensant, il me semble qu'on a des bonus à l'avoir. Par exemple, là, 10% de chance de démembrement. Donc voilà. 10%. Ou alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, ok. Ah oui, ok. Je me souviens comment je l'ai prise. Ah, il faut que. Faut que je médite pour aller à minuit. Hop là. Ok. D'accord, il y a une foule et tout. Commençons. Ok. Protéger les participants du rituel. Protéger de quoi? Quoi qui va nous attaquer? En fait, j'ai oublié de vous dire aussi, mais j'ai installé genre un mode graphique, c'est suite FX ou un truc comme ça. Ok. Pente. Hop. Ok. What the fuck, c'est quoi ça? Bouge! Son truc là. Par contre, je vais juste essayer un truc. Est-ce que ça fonctionne? Ah non, je peux pas méditer en plein combat. C'est bien ce que je me disais. J'avais vu sur un forum comme quoi on pouvait méditer. Aïe. En plein combat. Par contre, je crois que je vais crever. Hein. S'il y a d'autres genres de vagues. Non, c'est bon. J'espère que ça ira. D'accord. Je viens pour toi, parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Prends la lumière du feu éternel. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. Partez, vous perturbez le rituel. Nous ne laisserons pas ces deux clés. Vous ne connaissez rien de la relation. Arrêtez-le et dispersez tous les autres. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'est pas censé y avoir personne sur cette île. Allez vite, je sors. Ça va, ils sont plutôt faciles. Mais ma vie descend vite en fait.
continuer. Non, pas ça. Alors apparemment pour tuer ces trucs-là, merde, je me suis trompé de sort. Merde, et je me suis trompé de touche. Voilà, cette touche. Alors c'est celui-là, Irden, normalement. Si je fais ça. Bon, ok. Bon, vite fait. Je prends plus cher qu'autre chose. Hop. Bon, déjà cette quête est plus intéressante. On va méditer vite fait. Et putain, c'est 1 km le truc, c'est où? D'accord. Oh non, faut aller dans le marais. J'aime pas trop. Oh, je me trompe tout le temps de touche. J'aime pas trop le marais. On va y aller. Je vais faire un petit voyage rapide. Et go. Trouver le corps du père du chaman dans les marais à l'aide de votre sens de sorcellerie. D'accord. Non, c'est là que je voulais aller. Je me suis trompé de touche. Bon, c'est vrai que. En fait. Merde. Meurs. Je veux dire, en fait, c'est vrai que les déplacements du de Gérald, enfin les contrôles du joueur, je trouve, ils sont vraiment pas top en fait. Enfin, c'est différent de d'habitude quoi. Différent d'un par exemple d'un Assassin's Creed. Je peux le looter, lui. Qu'est-ce qu'ils ont à looter? Ok. Les déplacements sont un peu foireux, on va dire. Allez, descends. Je peux pas faire un voyage rapide, je suis en combat.
C'est bon là, je peux y aller? Ouais, je rapide. Voilà. Voilà. Go. C'est vrai que je suis pas vraiment avancé dans le jeu, quoi, dans l'histoire plutôt. Alors, je vais appeler le cheval. Ah. Oh. Faudrait peut-être que je m'achète une nouvelle arbalète plus comment dire plus puissante parce que en fait j'utilise pratiquement jamais l'arbalète. Elle est pas top celle du début. Bon alors, trouver les c'est vrai. L'aide du machin de sorceleur. Bon, le problème, c'est que il y a tout le temps des ennemis qui pop, c'est un peu chiant. Quand j'esquive une attaque, l'autre il arrive à m'avoir. Ça c'est un peu chiant. Oh merde, bouge! Hop, petite méditation. Cette technique, je l'ai su que assez récemment en fait de méditer. Parce que avant j'étais toujours en train de manger merde. D'utiliser le consommable ou quoi. Ok. Je voulais juste voir un truc, mais non en fait. Donc je vais juste looter lui. Et faut qu'on cherche. Alors. Examiner. Il faut le brûler. Ok. Bon, du coup, on va refaire. Et pourquoi il se barre? Un voyage rapide. Ah, je me trompe tout le temps de touche, c'est abusé. Go. Bon, pour l'instant, mon avis sur le jeu, c'est que il y a quand même quelques petits bugs qui sont assez chiants. Peut-être après, c'est normal pour un genre un open world comme ça, mais. Il y a vraiment 2-3 bugs qui sont assez chiants. Par exemple, j'ai voulu sauter avec le cheval au-dessus d'une barrière et je suis resté coincé au-dessus de la barrière. Et je pouvais rien faire, pas sauter ni rien. Bon, après, c'est un petit bug, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai l'impression que c'est. Alors, il faut aller où? Faut que j'aille parler au chaman. Ah oh. Non, c'est à gauche. Alors, je dois aller où? What? Ah, ok, tout là-bas. Alors, oui, je parlais des bugs. J'ai l'impression que c'est bien bugué les sauts à cheval, quoi. Aussi, j'ai l'impression que le jeu est bien dur, mais bon, ça c'est pas trop un point faible. Mais ça me fait rager. Mais plutôt, c'est vraiment plutôt un bon jeu. Alors, c'est ici.
Ouais, le plus gros point négatif du jeu, je dirais, c'est un peu les déplacements. D'amis. Ok. Bon voilà, on a fait deux petites quêtes secondaires tranquillement. Pas des choses à loot. Bon, il m'a pas payé grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Il y a rien à loot. D'accord, super. Bon, ciao. Bon bref, je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, petit bug encore, un petit bug comme ça. Alors, what the fuck? Voilà, j'ai enfin réussi à sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera genre un montage sur GTA, sur les un petit montage fun sur les braquages. J'ai genre, on va dire, 10 heures de vidéo à monter, donc enfin plutôt à éditer. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, laissez un petit like si vous avez aimé. Dites-moi si ça vous ferait plaisir d'autres vidéos de ce genre ou pas. Et voilà, allez, ciao tout le monde.